plupart d'entre nous avons appris à considérer l'amour comme une récompense. Manifester notre amour à nos enfants déclenche une sécrétion d'ocytocine, multiplie le nombre de récepteurs à ocytocine dans le cerveau, diminue les hormones de stress, augmente l'immunité et développe les circuits neuronaux dans le cerveau préfrontal. Le cerveau préfrontal, celui qui permet l'empathie, la maîtrise de soi, celui qui permet la régulation émotionnelle, l'anticipation, la capacité de comprendre et d'identifier l'impact de nos actes, la responsabilité, c'est ce cerveau-là que nous voulons développer chez nos enfants. Grâce à un geste, un sourire, une marque d'attention, nous préparons nos enfants au bonheur. Nous les équipons littéralement pour faire face au stress. Nous leur permettons de savoir ne pas surréagir, de ne pas surréagir plus tard quand ils auront eux-mêmes des enfants. L'amour, c'est du carburant.